ce soir, la RTI rend hommage à une icône de la culture, Rose-Marie Guiraud, artiste aux multiples talents. Pour évoquer son parcours, nous avons invité une autre référence de notre culture, Alain Taï. Il est expert culturel. On vous retrouve, Alain Taï. Merci d'être avec nous. Alors, Rose-Marie Guiraud était à la fois actrice, chanteuse, auteur-compositeur, dramaturge et même créatrice de costumes. Que de talent pour une seule personne. Effectivement, c'était une artiste multidimensionnelle et je crois que la Côte d'Ivoire, à travers ce décès, perd vraiment quelqu'un de très important. Une artiste multidimensionnelle qui malheureusement nous a quittés le 20 avril dernier, c'est moi ici, les mois, dans le monde de la culture. Qui était Rose-Marie Guiraud, la danseuse, la chorégraphe? On fait le point avec Franck Wadio et on en reparle sur ce plateau. Mardi 10 mars 2020, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. C'est la dernière sortie publique de Rose-Marie Guiraud, emportée le 20 avril par un mal pernicieux dans la soirée. 24 heures après, le commissaire général du Massa, justement, a encore un souvenir des moments de partage avec ce personnage singulier. Le décès de Marie-Rose Guiraud. Une perte pour l'art éburnéen. C'est elle qui a ouvert pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire le riche patrimoine des danses de l'ouest montagneux de notre Côte d'Ivoire. Et je pense qu'elle a fait de même pour la Côte d'Ivoire à l'égard de l'Afrique. Rose-Marie Guiraud, une artiste qui a aussi su se forger un caractère au fil du temps. Partie de son village, ici dans l'ouest ivoirien, où Yabli, elle, qui a dû arrêter les études pour entrer dans la vie active, a pu, au final, se réinventer et obtenir un diplôme d'enseignante des arts, INSAC, création du Ballet National, avec Condé Mamadou, les Guirivoires, l'École de danse et d'échange culturel EDEC, la Fondation Guiraud, une vie pleine, des hauts et des bas certes, comme le mentionne son autobiographie La Survivante, mais un travail de dénicheuse du talent reconnu par tous. La lutte contre la maladie à son retour des États-Unis en Côte d'Ivoire n'a pas altéré sa soif de réaliser son dernier rêve, celui de développer des infrastructures au service de l'art. Mais mille fois hélas, la mort en aura décidé autrement. Hélas, la grande faucheuse, Rose-Marie Guiraud, selon mes recherches, a grandi dans les loges des masques glas. J'espère que je prononce bien. Glaé. D'accord. Où on lui a inculqué des valeurs sociétales. Ceci expliquerait son succès, selon vous? Je crois que oui, c'est en partie cela, parce qu'il faut, un socle. Il faut être ancré dans la culture, dans la tradition, avoir la bénédiction des ancêtres pour pouvoir s'élever après. C'est un peu comme l'arbre. L'arbre qui s'enracine profondément dans la terre peut, après, déployer ses branches et conquérir l'espace. D'accord. Alors, elle a connu beaucoup de rejets dans son enfance, des difficultés de sa vie évoquées dans son œuvre autobiographique intitulée « La survivante ». Dites-nous, à quoi a-t-elle survécu, Rose-Marie Guiraud? D'abord, elle a survécu à un choc qu'elle a reçu dès 9 mois. Oui, puisqu'elle a été très malade à 9 mois. Elle est tombée dans le coma pendant 4 jours et il a fallu vraiment toute la science des maîtres traditionnels pour la ramener à la vie. Et de ce coma, elle a donc gardé des séquelles. Hein, vous imaginez un bébé de 9 mois, elle a gardé des séquelles. Et donc, de 9 mois jusqu'à sa disparition, à 67 ans, on peut dire qu'elle a eu un véritable parcours de la combattante. Elle a lutté chaque jour contre ce mal qui était en elle. Et à chaque fois, elle a eu recours à la danse comme une sorte d'exutoire pour pouvoir donc la transmuter, la transfigurer de manière à ce qu'elle retrouve cette force vitale pour continuer son parcours. Quand vous parlez de séquelles, expliquez clairement. Elle luttait avec quoi? Elle avait une malformation cardiaque, voilà, parce qu'elle a eu un choc, comme j'ai dit. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour ne pas choquer les téléspectateurs, mais elle a eu un choc. Dès l'âge de 9 mois. Et elle était victime son de raillerie. Son petit corps d'enfant a été éprouvé et elle a donc survécu à cela. Et Rose-Marie Guiraud s'est battue
Elle a eu une renommée internationale, mais dites-nous, sur cette scène internationale, est-ce qu'elle est arrivée à vendre son art? Ah oui, je crois. D'Abidjan, d'où elle est partie, hein, puisqu'elle est partie du Kangaliéni à l'époque, à Nantes, où elle a séjourné pendant un moment, jusqu'à Liège, en Belgique, où elle a une formation au Conservatoire royal de Liège. Elle s'est distinguée à chacune de ses étapes par son art, par l'art chorégraphique qu'elle maîtrisait et qui a réussi donc à sublimer. Hein, son public à séduire le monde entier. On peut parler de cette étape importante aux États-Unis où elle a joué devant 11 000 spectateurs totalement ébahis, fascinés par l'art de la prêtresse. Et elle a eu l'hommage d'Elizabeth Taylor, qui est une grande star du cinéma américain, qui a été vraiment frappée par le charme, la beauté, la grâce et la force de la danse de Rosemary Guiraud. Mais Rosemary Guiraud, malgré tout, va aller s'installer aux États-Unis où elle va vivre pendant 10 ans. Comment on explique cela? Ben Est-ce que ça ne l'a pas éloignée de son public africain? elle a rencontré l'amour aux États-Unis en la personne de Emmett McDonald et je voudrais vraiment saluer Emmett et lui dire toute ma compassion à lui et à tous les enfants des Guiri-Voirs, à toute la famille de Ouiabli, à tous ceux qui ont aimé et côtoyé Rosemary Guiraud. Donc, elle, depuis 40 ans, elle vivait avec Emmett McDonald et donc c'est naturellement parce qu'elle avait des problèmes de santé qu'ils sont retournés chez Vivre aux eux, aux États-Unis. États-Unis, pour qu'elle soit dans un environnement où elle puisse être prise en charge. Donc, ils y ont séjourné, mais comme je dis, la danse lui colle à la peau. Et Malgré donc, tout. malgré la maladie, elle s'est toujours retrouvée sur les scènes pour exprimer. Parce que pour Rosemary Guiraud, la danse était une forme de thérapie. C'était donc de l'art-thérapie. Donc, malgré Et les obstacles qu'elle traversait, qu'elle vivait, elle arrivait donc. la danse a toujours constitué pour elle une sorte de refuge. D'accord. C'est dans la danse qu'elle se retrouvait avec elle-même, c'est dans la danse qu'elle s'épanouissait, c'est dans la danse qu'elle affrontait les difficultés Qu'elle de la vie. affrontait la maladie et autres. Absolument. Alors, quel héritage artistique Marie-Rose Guiraud laisse aujourd'hui? Son héritage est important puisqu'elle est formatrice depuis 1973, quand elle a été directrice de l'école de danse des arts et des traditions populaires à l'INA, l'Institut national des arts, aujourd'hui INSAC. Elle a été cofondatrice avec Mamadou Kondé des ballets nationaux de Guinée. Elle a été cofondatrice du ballet national de Côte d'Ivoire et elle a formé des générations entières d'artistes. Je pense qu'on approche du millier. Elle a dû former au moins un millier de danseurs, de musiciens, de chanteurs, de peintres, de comédiens qui sont aujourd'hui dans le monde entier, au Japon, en Corée, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Elle a des milliers États-Unis. d'enfants, comme Elle a elle des aimait à le milliers, dire. absolument. Et donc ça, c'est un héritage incommensurable. Et sans parler de ceux qui sont à Abidjan. Chacun des 2 000 danseurs qui sont à Abidjan se réclame quelque part de Rosemary Guiraud parce qu'elle a vraiment impacté ce milieu de la danse. Et l'autre point de sa vie, c'est qu'elle a consacré toute sa vie à aider des milliers d'enfants issus des enfants défavorisés. Absolument. Ayant été elle-même une enfant Rejetée. rejetée, mais aussi choyée par ses parents, mais rejetée par l'extérieur. Donc, elle a pris sur elle d'aider tous les enfants en situation de difficulté. Les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants déscolarisés, les enfants de la rue ont trouvé auprès de Rosemary Guiraud une mère refuge. Elle les a donc recueillis chez elle. Elle leur a donné l'affection maternelle, elle leur a donné le savoir, la connaissance. Elle a même créé une école primaire dans son centre de la Riviera et elle a formé ces enfants-là à la danse, à la musique, au savoir culturel pour en faire des hommes et des femmes dignes. Et en plus de l'art et de la culture, elle a eu un parcours administratif. Bien sûr, elle a été secrétaire d'Atilo, après elle a été à l'Assemblée nationale et au Kangaliéni, ensuite elle a été infirmière. Puisqu'elle a un diplôme d'infirmière, elle a été infirmière C'était en une France. talentueuse, Voilà, Rosemary donc Guiraud. c'était une vraie battante. Alors, après sa disparition, les hommages en sa mémoire se sont multipliés. Je vous propose de conclure cet entretien. Alain Taï, vous êtes aussi un grand poète. Alors, par ce poème de l'ancien ministre de la Culture, Maurice Bandaman, qui est aujourd'hui ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Et selon lui,
Rose-Marie Guiraud dansait comme une feuille. Vous avez deux strophes à nous lire. D'accord. Mais deux strophes, mais peut-être avant, lancer un appel au gouvernement de Côte d'Ivoire pour que la fondation Rose-Marie Guiraud soit déclarée d'intérêt public. Cela dit, je vous lis cet excellent poème de Maurice Bandama. Grelot pour Marie-Rose Guiraud. Elle dansait comme une feuille, la rose. Claire de son tapis d'ébène, son corps sculpture de veines, taillé dans le marbre or des feuilles et des lianes tressées des drues forêts d'ouest. Elle dansait comme une feuille. La claire Marie des Bures, toute dressée jusqu'au dernier instant, défiant âge et maladie et embrassant la mort en dansant, sourire offert à l'amour. Et la danse, cette transe folle des corps transis de rêve et d'espérance, elle dansait comme une feuille, la rose. La rose, Marie Guiraud. Merci Alain Taï d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi. La Côte d'Ivoire, l'Afrique, le monde, nous l'oublierons jamais. Elle restera pour toujours ce phare dans les arts de la scène. Par ses pas, elle a su démontrer que la danse était beauté, amour du donner, du recevoir. Adieu, Marie-Rose Guiraud. À demain 20h, prenez soin de vous.